Alors c'est un site qui concentre en fait énormément d'édifices de différentes époques, de 1915 jusqu'en 1917. Il y a une réelle densité et différentes strates d'époque en fait de construction. Et sur un total de 600 en 1950, il en reste aujourd'hui 300 qui sont répartis sur un territoire de 250 km².